Salut les filles, alors voilà, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui n'avaient pas vu cette vidéo là, je vous la mets juste ici. C'est une vidéo où je vous présentais mes chiens. C'est une vidéo qui a fait plus de 150 000 vues, je crois. C'est la vidéo la plus vue sur ma chaîne. Je vous en remercie, ça me fait extrêmement plaisir. Merci, merci. Beaucoup m'ont demandé de refaire une vidéo avec Yoshi et Maya. Donc je reviens aujourd'hui, donc presque un an après, avec Yoshi et Maya pour refaire un bilan de cette année. Est-ce qu'ils ont évolué? Maya, comme elle a grandi, Maya elle va avoir 2 ans, Yoshi va avoir 3 ans. Donc voilà, je voulais juste vous les refaire voir un petit peu, que vous puissiez voir comment ils ont grandi. Reparler un peu de leur petite vie, comment ça se passe avec les Yam, etc. Donc on va commencer avant avec Yoshi, je vais vous le chercher. Alors, il y a Maya qui vient faire sa commère juste en bas. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de cette grosse peluche marron, mais c'est Yoshi. Donc c'est toujours le chien à câlin, à bisous. Toujours, toujours, toujours. Yoshi c'est toujours le chien très câlin, très bisous, vous voyez la preuve. Alors Yoshi, comment il a évolué? Alors Yoshi, je ne sais pas si je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. Tu descends mon cas parce que tu vas me gêner, je voulais juste te faire voir. Allez, descends. Les poils. Yoshi, je sais pas si je vous en avais parlé dans la vidéo de l'année dernière, mais il avait eu des problèmes de poids. Il mangeait pas beaucoup, les croquettes que lui donnait ne lui suffisaient plus. Alors on a changé des croquettes, on a changé de marque, on avait plusieurs marques. Et on a trouvé une marque qu'il aime, qui mange, que son estomac supporte. C'est des Fido, je vous essaierai de vous trouver le paquet en photo et je vous le mettrai juste ici. C'est des croquettes que Yoshi supporte. Depuis qu'il les mange, Yoshi a pris du poids, il est arrivé à plus de 27 kg, donc c'est un beau bébé. La vétérinaire a dit qu'il est rentré parfaitement dans sa cour parce qu'il était très très bien, parce qu'avant Yoshi était très mince. Comment ça se passe avec Liam? Yoshi, je vais pas dire qu'il s'en fout, mais Yoshi fait sa vie quoi. Yoshi continue son train-train quotidien, il fait sa vie de chien, quoi. Il dort, il mange, il va faire pipi et puis voilà quoi. Yoshi s'en préoccupe pas trop, peut-être que plus tard quand Liam va grandir pouvoir jouer avec eux, peut-être que Yoshi va se rendre compte qu'il y a un... Bon, je pense qu'à mon avis il se rend compte qu'il y a un nouvel habitant à la maison, mais je pense qu'il se rendra compte dans quelques années quand Liam commencera à marcher, à courir après eux, je pense que là Yoshi commencera à se rendre compte que... Il y a un autre petit bébé qui va venir l'embêter tous les jours. Parce que Yoshi n'a toujours pas changé. Yoshi, c'est toujours le chien qui reste couché à dormir et qui ne bouge pas. Voilà, Yoshi n'a pas changé là-dessus. Yoshi n'a pas changé. Hein. C'est toujours le chien qui vient se blottir contre toi, vouloir des papouilles, des gratouilles, des câlins. Ça n'a pas changé. Son problème à l'œil, les vétérinaires m'ont dit que c'était rien. Donc je vais aller voir un autre vétérinaire parce que franchement, ça m'inquiète. Je peux pas concevoir qu'un veto me dise qu'il n'a rien à l'œil alors que son œil coule tout le temps. Donc je vais bien voir, je vais aller voir avec un autre vétérinaire. S'il y a des vétos qui regardent cette vidéo, si vous pouvez m'aider, hein, parce que j'ai l'œil de mon chien qui coule énormément et j'ai qu'un seul œil sur deux qui coule. Donc les vétos pendant un moment m'avaient dit que c'était une allergie, au final ça continue quand même, donc je comprends pas. Aidez-moi s'il vous plaît, s'il y a un vétérinaire qui peut m'aider, je suis preneuse. Alors maintenant on va parler de Maya, alors je vais vous l'appeler. Maya! Viens là grosse dame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop là. Alors, est-ce que vous vous rappelez de Maya, la grosse boule blanche qui a fait fureur? La boule blanche, arrête! Qui a fait fureur, sur la première vidéo. Ben voilà comment elle a grandi la bébère. Oui, c'est une grande fifi qui a grandi. Oui, oui, oui. Par contre, tu m'enfonces tes griffes, tu descends. Pareil, les poils, c'est une catastrophe. Quelle idée de prendre des chiens avec plein de poils. Quelle idée de prendre des chiens avec plein de poils. Alors Maya, qu'est-ce qui s'est passé avec Maya? Donc bah Maya va prendre 2 ans. Alors Maya a extrêmement changé de comportement avec moi dès lors que je suis tombée enceinte d'ailleurs, dès lors que Liam a commencé à bouger dans le ventre. Maya a changé totalement de comportement avec moi, elle est devenue douce, câline, mon malin maintenant, depuis que j'ai accouché, elle est devenue complètement folle. Oui t'es folle.
Maya est devenue douce, câline, elle fait plus de câlins, plus de bisous. Avant, c'était pas du tout son genre. Qu'est-ce que tu veux? Oui. Tu sais que je suis en train de faire une vidéo là avec Maya? Oui. Ah oui. Voilà, fais câlin. Donc, arrête, tu mets des poils partout. Maya est devenue très câline avec moi, très joueuse, mais moins, comment dire, moins maladroite, moins brusque qu'avant. Voilà, hein, sinon c'est toujours la chienne la plus têtue entre les deux, hein, toujours du mal à ce qu'on lui donne des ordres, Maya a du mal. Elle comprend assis, manger, pipi, voilà, coucher, donner la panne aussi, elle y arrive, coucher, elle veut pas entendre parler, c'est très compliqué. Maya est très 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 têtue, tout fonctionne à la nourriture avec elle. Voilà, si on veut qu'elle s'assoie, il faut lui donner de la nourriture. Si on veut qu'elle donne la pâte, il faut lui donner de la nourriture. C'est pas en fonction de récompense en fait, Maya, c'est que Maya, il lui faut ça, sinon elle le fait pas. Voilà. Maya est très protectrice, oh j'ai du mal à le dire. À l'inverse de Yoshi, avec Liam, elle est toujours dans les parages, toujours à tourner autour de Liam. Elle lui fait des petits bisous sur la main, sur la joue, bon, bien évidemment je nettoie le visage de mon fils après. Mais elle est toujours là, vouloir faire des câlins, des bisous, toujours. Quand Liam pleure, elle est toujours dans les parages. Quand Liam joue par terre, elle est toujours là, par terre, à côté de lui, enfin... Maya est toujours là, donc je pense qu'à mon avis ce sera une belle amitié plus tard quand Liam va commencer aussi à marcher. Je pense que ça va être une belle amitié entre deux, donc voilà. Donc voilà comment ça se passe avec les deux chiens. Ah oui, et Maya a perdu du poids, donc il faut que Maya reprenne du poids. Pourtant elle mange, mais le truc c'est que Maya est très énergique, c'est une boule de nerfs. Donc elle perd beaucoup de poids parce qu'elle mange, mais elle se dépense juste après que Yoshi mange et ne se dépense pas. Yoshi mange, il dort. Donc c'est pour ça que Yoshi a pris du poids, mais Maya, elle en a perdu, donc Maya, il faut qu'elle prenne du poids. Donc bah, on peut pas la forcer à manger, hein. On a augmenté les rations, etc. Mais elle mange ce qu'elle a envie de manger, moi je peux pas la gaver comme une loi. Si elle a envie de manger, elle mange, si elle a pas envie de manger, elle mange pas, hein. Je vais pas la forcer non plus. Donc bah, voilà comment ça se passe la vie avec les chiens en ce moment, il y a rien d'extraordinaire. Les chiens ont bien grandi, ont bien évolué, ont bien pris l'arrivée de Liam, leur vie n'ont pas changé, hein. C'est toujours la même, c'est toujours des petits princes à la maison. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne qui est juste en dessous, ou à cliquer sur ma tête qui va être juste ici, à vous abonner à tous mes réseaux sociaux que je vous mets en barre d'infos et que je vous affiche juste ici. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.